On est plus noir. Bonjour les gens. On va démarrer le stream avec Cardaclysme. Avec Liberated. Oui, si le jeu veut bien se lancer. L'écran est pas très. Ok, donc on va jouer Liberated. Donc Liberated, c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti le 30 juillet de cette année, qui est au prix de 22,79$ sur Steam, qui a été développé par Atomic Wolf. C'est un studio polonais à qui l'on doit un jeu qui s'appelle Mad Age and This Guy, auquel je n'ai jamais joué, donc je peux pas vraiment trop me faire une idée. GOG a eu la gentillesse de m'envoyer une clé de ce jeu, je savais pas du tout ce que c'était, et visiblement ça a l'air d'être un jeu d'aventure qui va se passer au travers d'un comic, si on veut dire, avec une mise en scène qui fait très penser à un comic dont vous êtes le héros. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc bon. On va voir un peu ce que ça vaut. Si c'est bien, on va y jouer plus longtemps, et si c'est pourri, ben on s'arrêtera avant. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà galéré à le configurer pour qu'il soit capturable. Donc vous pouvez voir que le jeu est en français. Joueur. Ok, vas-y. C'est parti. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, faut que je fasse quelque chose là. Hein. Mars, oui. Toute la manette. C'est la manette. Ok. Oh, et des images perdues pendant le stream, fantastique. En même temps, ça se voit pas trop vu le type de jeu que c'est. Ah si, j'ai un souci de connexion. Avec Twitch, fantastique. Twitch qui fait des siennes. Attendez, je vais regarder ça. Faut espérer que ça soit pas trop violent. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Désolé. Initialise ça, s'il te plaît. Ok. Il y a d'un qui, je ne dois pas perdre d'image. C'est ok, c'est déjà ça. Fuck. I better get moving. Il y a quelqu'un qui doit prendre son train. Utiliser L pour courir. Objective. Reach your train before it departs. Et sur A pour sauter. Ok, vas-y, c'est parti. Mon train, je veux choper mon train, attends. C'est bon, je l'ai eu. Et que ce soit une autre touche pour rentrer dans le train. Je trouve ça un peu étrange, mais c'est pas grave. Bon, on a réussi à prendre notre train à temps. Désolé, chaque personne a comme l'identité avec le mantelage, le sexe. J'ai l'impression que celui d'avant, il y avait une prime qui était sur lui. Ah non, c'est un numéro de code. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas trop, pour l'instant on prend les choses comme elles arrivent. Salut bateau sur le chat. Alerte. Ok. Visiblement, il y a quelque chose qui s'est déclenché sur moi.
Ok, vas-y, on va se casser. Pourquoi ça s'est passé à X tout simplement? Ah putain. X1, X1 pour faire la même action, c'est un petit peu particulier. Attention, vous pouvez pas dépasser quelqu'un d'armé en cours. Et... D'accord, je dépasse quelqu'un d'armé comme... D'accord, bien. Salut Naro sur le chat. Désolé, je surveille la connexion Twitch parce qu'elle est pas ultra rapide aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Enfin, si pour vous ça va, en même temps, vu le genre de jeu auquel on joue, si je perds une frame, c'est pas la fin du monde. Nouveau message, bon citoyen. Alert! You have failed to attend your scheduled citizenship training. An intervention warrant has been placed on your CCS ID. Ok, visiblement j'ai pas participé à un entraînement spécial, du coup ils sont tous en train de me chercher là. Ce qui est pas une bonne nouvelle. Please return to your place of residence and await the authorities. Thank you. Okay. Shit. They'll be heading there now. I gotta scrub my computer. Objective: reach your apartment before the police. Don't get caught. D'accord. Je peux se cacher comme ça. Maintenez LB appuyé pour avancer furtivement. Je peux faire des éliminations silencieuses. Tu reviens pas. J'ai vu un flic passer là. Ok, il a l'air de revenir. Bon, on va t'éliminer. Parfait. Visiblement, je ne fais pas partie de ces bons citoyens qui sont chez eux à attendre que la police arrive. Il va finir par revenir. Ouais, voilà. On va t'éliminer silencieusement. Ok, il y a un mec qui m'observe, ce qui est pas très rassurant. Ah non, c'est quelqu'un d'autre, ça. C'est quelqu'un d'autre. Ok, encrypter les données. Enfin, crypter les données, plutôt. Vas-y, martèle le bouton Y. Oh putain, il y a des soucis de connexion sur Twitch là, je sais pas ce qui se passe, c'est un peu dramatique. C'est vraiment embêtant. Laissez-moi juste un instant que je vérifie ça. C'est ma connexion qui a un problème ou c'est Twitch qui fait de la merde? Laissez-moi juste quelques instants, parce que j'aime pas quand ce genre de choses arrive. Ah, ça sera pas très long.
Vérifier un peu ma connexion descendante et montante là. Oui, non, descendant ça va, mais en même temps descendant, c'est pas très important, j'aurais pu voir ma connexion montante. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai déménagé l'ordinateur dans une autre pièce, mais mon kit CPL marche très bien, donc je vois pas pourquoi tu m'embêtes comme ça. Oui, non, ça marche très bien la connexion montante. Bah c'est Twitch hein, qui fait de la merde. Écoutez les gens, je suis désolé hein, si Twitch fait de la merde, mais malheureusement, je n'y peux pas grand chose. Et voilà les flics. On va se rendre, je pense que si je m'enfuis, ils vont me tirer dessus. Down on the ground! Now, maggot! C'est déjà par terre, les mecs, qu'est-ce que vous racontez là? Sympa. Donc, je suis déjà par terre, mais ils en profitent quand même pour me taper dessus, quoi. 72 heures plus tard. Hello interroger. Again, Mr. Edwards. Coffee? You look like you could use a pick-me-up. Something to bring you back to the world of the living? After all, that's why we're here. To help. Malin qui dit, je remarque que certaines fonctionnalités de Twitch semblent déconner comme le chat en fenêtre séparée. Ouais, je sais pas, Twitch a l'air de... Là, ça a l'air d'être revenu au niveau de la stabilité de la connexion, mais bon... Naro qui dit le style bande dessinée dans un jeu vidéo me fait penser au jeu 13 adapté à la BD du même nom, est-ce que tu connais? Oui, 13, ça date d'un petit bout de temps ça. Mais ouais, je m'en souviens, j'y avais joué à l'époque. Après, pour l'instant, la mise en scène a l'air. Ça a l'air assez joli, j'aime bien le style graphique, la mise en scène comique a l'air d'être plutôt réussie. Le seul truc qui m'inquiète pour l'instant, même si j'ai pas vraiment beaucoup joué, c'est bah, la partie gameplay quoi. Qu'est-ce qu'on va faire techniquement? Pour l'instant, après, à part à dépasser gauche-droite, appuyer sur X, j'ai pas fait grand-chose d'autre. But loose threads can quickly cause a tear, Mr. Edwards. Loose threads like jaywalking, or riding the train without a ticket, say. Okay. Minor infractions. Victimless crimes, you may say. But crimes nonetheless. Mais des crimes quand même. And what about you? La traduction française a l'air d'être plutôt propre. No posts on social media, no photos, no girlfriend or boyfriend. No friends at all. Does that seem normal to you, Mr. Edwards? Ok, donc visiblement on vit dans une société où on se fait vraiment traquer. Then there's all that cash you've squirreled away. Did no one tell you about contactless payment? Or does the data trail concern you? Strange, Mr. Edwards. Some might. Okay, donc il pense que je vais cacher quelque chose parce que j'ai pas envie de. De me faire tracer mes données. Mais en même temps, qui a envie de se faire tracer ses données? Réponse polie. I keep to myself, that's all. I don't want any trouble. So, how about you save us all some time and tell us what the encrypted data is for? Ma vie privée ou ça te regarde pas ce que je fais? I thought protecting my client's data was a good thing. Listen here, punk. You don't realize how good you have it. The world out there was made by honest, hardworking people. Ouais, c'est pour ça que vous les traquez? Un peu rutti. The kind of people who follow rules, have barbecues, take photos, live happy, productive lives. Ah là là. Cliché. And then there's people like you, troublemakers, malcontents, cancerous growths that metastasize and rot society from within. Alain qui dit ça n'est pas du tout copié de Matrix. C'est pas faux. We're releasing you, but you're on borrowed time. Au moins il s'appelle pas Mr. Anderson quoi. Ça limite déjà la casse. Step out of line again, and I'll make sure I personally get to bring you in. Je veux que je m'éloigne du droit chemin en faisant quoi? Le mec il a rien. Enfin mon personnage il a rien fait d'illégal. Laisse-moi partir, Boîtier. Motherfuckers. Where the hell did they drop me? Je me demande où est-ce qu'on a été abandonné. Ah ça c'est le mec de tout à l'heure. Barry Edwards,
Get in, now. You and me gotta talk. Ok. Vas-y si tu veux. Attaboy, we gotta get you out of town. I'll explain on the way. Attends, après. I just saved your ass, Barry Edwards. Or should I say, Duke Stroud? What? That was some cool shit you pulled, ghosting your CCS ID. Okay. This is about my old man, isn't it? Okay. If you're looking for a ransom, forget it, man. The only person that old fuck cares about is himself. I look like some chicken shit kidnapper to you? You really think you walked out of that police station on your own? Before they break that weak-ass algorithm you use, then you're gonna be public enemy number one. Ouais, donc je sais pas ce qu'il y avait dans ces données, mais il y avait pas des choses très très propres. It's not my fault my old man's a power-hungry asshole. Man, you ain't getting it. There's bigger shit at play. Motherfuck, cops. Ah oui, il y en a quelques-uns. Ouais. You drive. Fermé. Ok, les QTE de la bande dessinée, pourquoi pas. La mise en scène est vraiment stylée, hein, ça y a rien à dire. La mise en scène est quand même assez stylée. Après, ça reste une bande dessinée, donc plus j'avance, plus je me dis que c'est une bande dessinée interactive très cool, mais pas vraiment un jeu vidéo. Parce qu'au final, là, ce qu'ils me font faire, je pourrais ne rien faire que ça soit aussi intéressant, quoi. Appuie sur A, appuie sur X, enfin les QTE, on sait très bien ce que ça vaut. All right. We lost them. Not bad driving for a rookie. Ok. But maybe I should have expected more from the B-16 bandit. Bandit B-16. I just wanted to mess with some eggheads. Took some doing though, huh? Those ain't your run-of-the-mill security system. Except you didn't cover your tracks. Now the cops are gonna be so far you'll start oinking. Okay. For you, rookie. Me and my associates are willing to take you under our wing. Wait, don't tell me you're with them. What was it, the Freedomers or some crap? The Liberated, and you're welcome. Okay. In case you ain't noticed, there's a camera on every corner and a tracker in every terminal. Oh, give me a break. Evil corporation, this tech enslavement, that. What's next? Chemtrails? Go ahead, man. Laugh it up. Didn't see you laughing when the police bust into your place. Alors, qui dit écriture pas très fine? Ah, bah c'est plus de l'écriture d'un comics que de l'écriture d'un manga. Hein. What was it for this time? Not smiling nice enough for the kid. D'un comics moyen, on va dire. Not wanting to be watched all the damn time. You got a decision to make, man. What kind of world do you want to live in? One where the system chooses who's free, or one where the free choose the system? Pour l'instant, l'histoire est tout ce qu'il y a de plus classique. Goddamn police drones. Keep your shit together. We got this, okay? There's a gun in the glove compartment. Cover me. Drone, policier, putain, il y a carrément des drones, quoi. Objective, destroy the drones. Okay.
sérieux, faut que je tire comme ça là. C'est pas chiant du tout pour viser. Utiliser la gâchette droite. Il y a eu le drone. Il y a combien de drones? Vraiment galère pour viser. C'est vraiment pas mis ski. Nicely done, rookie. Ok, ça c'est fait. We're here. What is this place? Used to be a Project Manhattan facility. Don't worry, we put up the radioactive sign so no one comes snooping around. You can call it home, for now. Non, ok, les drones me font penser à Invasion Los Angeles. Oui, c'est pas faux. Il était bien ce film, la première fois. Invasion Los Angeles. Bien accroché. Alors, vas-y. Tim, you're late. Tim, l'ami Tim. Call me Barry. Direct. I like that. There'll be time for small talk later. Direct. Ok. This is Rick, a bona fide Will Hunting. Just watch out for his ego. Ok, donc en gros, c'est un peu Matrix sans rentrer dans la matrice, quoi. Ça fait un peu penser à ça. Helped. I damn near built the thing single-handed. Ouais, c'est vraiment ça. I went ahead and turned it into a dystopian nightmare. Ok. The man in the glasses is Tom. Reverend Tom. Révérend Tom. He was a teacher at St. Martha's when the bombing happened. Now he's with us. I'm glad you're safe, young man. I wish it hadn't come to this. Le souhaites-tu vraiment, mec? Tes lunettes rondes inquiétantes. You already know his brother Tim, former special ops and the best driver we've got. Okay. James here is our mole in the police department and your guardian angel. He managed to buy you some time before your ID'd. Ok, d'accord. Il y a une taupe dans le... All hell broke loose when they found out who you really are. Tu m'étonnes. Who I was. Far as I'm concerned, I'm not the son of that sadistic dirtbag who calls himself the Minister of National Security. No arguments here. We've all got things we'd rather leave in the past. Ah, almost forgot. I'm Meg. I run things around. Fort bien, Meg. So this is it? You're the liberated? No. This is just one of many teams. Once we know you can be trusted, we'll meet the others. Alain qui dit le mixage des voix est bizarre. Welcome aboard, Barry. Ouais. Elle est un petit peu... Il y a certaines voix qui sont un peu robotiques, mais à part ça... Trois semaines plus tard. Briefing time, quickly. We're behind schedule. The other teams are already on the move. C'est vrai qu'elle a une voix un peu de robot, elle. Our target is the Alpha 16 CCS data center located in Silver River National Security Campus. Security should be minimal, mostly drones and robots, as well as a few guards and facility staff. Okay. We can enter the data center via the basement or the ground floor. Both give us access to the pumping station that provides water to the facilities. The second floor contains the facility's electrical infrastructure and control room. Our target is the servers on the top floor. Keep it simple. Formel. Go in, plant the charges, and we'll trigger an alarm 15 minutes before the explosion. That should give any civilians time to evacuate. L'un qui dit, je pense à la voix du flic qui était bizarre avec de la réverbération sans raison. No, ah, j'ai oublié, j'ai pas fait attention. We're the good guys, remember? Non, par contre là, plus j'avance dans le jeu, plus je me dis que je sais pas pourquoi ils ont fait de Liberated un jeu.
Parce qu'en fait, là, techniquement, j'appuie sur un bouton pour voir les dialogues suivants, alors qu'au final, tu pourrais m'offrir ça en PDF, et ça serait encore plus efficace, quoi. Je préférais finalement lire ça comme étant une vraie BD, plutôt qu'en faire un jeu où je passe mon temps à presser le bouton A pour voir les autres dialogues. Genre ça par exemple. Prends une BD, t'affiches toutes les bulles, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Tim has the security passes. Okay. Rick, keep the car within radio range and take the newbie with you. Maybe you'll learn something. Qui dit le jeu a surtout été conçu pour servir de cas d'exemple de PGN. Playable Graphic Novel, un framework pour créer des jeux de type comics. Bah, je comprends. Mais à ce moment-là, si tu te sers de ça comme un exemple, tu le vends pas à 22$, quoi. Parce que ça fait 22$ la BD interactive. Et c'est un peu cher. Tu vends ça à 5$ ou peut-être 10$ max. Mais pour moi, c'est une BD, là. C'est pas un jeu, hein, pour l'instant. Donc c'est. Barry, stay in the car and keep a lookout. No hero shit. Salut Django sur le chat. Let's do this. Playable graphic novel. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, la direction artistique est très sympa, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est plutôt stylée. So, how's life on the lam? Enjoying Rambo's training. Mais là, j'aurais vraiment apprécié qu'ils mettent toutes les bulles dans une case à chaque fois. Parce que là, t'appuies. Ouais, arrogante, amical. Ouais. Tim seems to think I'm gonna be the next Karate Kid or something. Like I need his help. Not much fun being a punching bag, is it? At least you can fight back. Okay. I didn't catch a break like you, you know. Got put away for a year. The guards used to. Hang on. Okay. Better here than out there, though, right? Not like we've got much choice, or hope of winning this war either. Why are you fighting it then? Maybe I'm a sucker for lost causes. Tim, Tom, even Meg. Tim Tom. They believe in this idealistic bullshit. Tim Tom Tom. I'm not buying it. For me, it's about cold, hard facts. And the fact is, I created a monster. Okay. You know, the CCS was originally just a modified credit rating. Income, spending patterns, criminal records. You get the picture. But that's simple stuff. It doesn't tell you the full story of a person's behavior. It won't tell you if they're really a risk or not. That's why we made Themis, an algorithm that can track a person's entire digital life. All it was meant to do is say if someone's trustworthy or not. But then people like your dad wanted to use it to build a better world. And I believed them. I watched as they manipulated Themis to tip the scales a little, then a lot. It wasn't until the cops came for me that I realized what I'd done. This isn't our world anymore, Barry. Unless our glorious leaders grow some balls to take down Themis, there's no hope of us getting it back. On it, boss. Huh. It looks like someone finally ran a security update. One sec. Just gotta do the hacking thing. Mais ouais, crack un truc ou deux. No dice. We need to do this the old-fashioned way. You're up, Barry. I need you to get to the second floor and bypass the security system. Take a gun and hurry. I'll be in your ear the whole time. Okay. Maintenant qu'il dit ça, plus le fait que c'est un comics à l'écriture peu originale et pas très fine, aurais-tu vraiment envie de le lire même en PDF? Un PDF interactif peut-être, vendu 5$ ou 10, j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemble. Oui, je sais, faut utiliser R pour sortir. C'est le bouton pour sortir ton arme. Ok, je suis mort. Est-ce qu'il met une plombe pour sortir son arme? Ah ok, c'est comme ça, putain, faut pas appuyer dessus. Headshot. C'est écrit en gros. Oui, il s'est relevé derrière. En tout cas, une chose est sûre.
chose est sûre, c'est que le personnage est doué pour grimper aux grilles. Au-dessus, donc je vais les ignorer. Un headshot. Voiture de police garée à l'arrache. Et pour l'instant, j'avance sans trop de problèmes. Sinon il se passe quelque chose. Ce système de visée je déteste. Je le déteste. Ok, donc l'eau c'est de la gadoue qui te ralentit à mort en fait. Vas-y, on avance. Donc on récupère notre bien en attendant. Comment tu essaies d'entrer en passant furtivement derrière le camion. Comment tu veux que je passe derrière le camion? Comme ça. Ok. Vas-y, on avance. Genre, tu vas pas me voir là. Si tu me vois pas, c'est que c'est bizarre. Non, tu me vois pas, mec. J'étais pas vraiment caché dans le bon angle, mais il m'a quand même pas vu. Cette intelligence artificielle du tonnerre, quoi. Je voulais voir si l'intelligence artificielle était vraiment stupide à ce point-là, mais non. Oh, je l'ai eu. Ok, donc tu peux frapper en étant dans l'angle. Naro qui dit heureusement que le mec du camion est bourré à moitié endormi. Ah bah oui, non mais c'est ça, hein. C'est le réalisme des gens qui boivent de l'alcool. Donc là, il est tombé au sol, mais il a quand même gigoté une fois qu'il était par terre. C'est assez étrange. C'est un silencieux, mon gun? Parce qu'en bas, ils ont l'air de s'en foutre. Aïe, aïe, aïe. Deuxième, je suis sûr. Non, même pas. Tu veux quoi maintenant? Et Jean-Charles,
avec les cheveux longs dans la bagnole, guide-moi, qu'est-ce que je fais? Je descends, hein, sinon. Bon. Dégaine! Ok, donc réactivité 0. Ah, c'est la machine magique. Vas-y, je sais pas trop à quoi ça va servir de faire ça, mais bon. Salut Senga sur le chat. Hop. Ouais. Vraiment gré dans la flotte là. Utiliser elle pour plonger. Allez, vas-y. La question c'est combien de temps je peux rester sous la flotte. Ça va Senga, la vie est belle en Espagne. Ok, on est passé par là. C'est quand même très moyen tout ça. Attendre qu'il passe lui. Qui dit la vie est belle et chaude en Espagne. Tant mieux, tant mieux. Vas-y, rentre. On va aller voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Des gens qui sont sur leur ordinateur. Tu veux que je fasse pirater le code d'accès, correct, incorrect, position correcte. Chaque chiffre ne peut apparaître qu'une fois. Ok, donc le 2 c'est bon. Position encore, ok, c'est juste ça que ça veut dire. Ah, donc si je fais 1, 6, 2, 8. Ah non, c'est 0, 7, merde. Donc c'est 7, 0, 2, 9. Pourquoi il m'a mis 2? Ah, ok, on est bon. Mastermind, ouais, c'est un petit peu ça. Ok. Ascenseur. Enfin bon, c'est quand même moyen. Headshot. Avec le mec qui gigote. Allez, dégaine! Putain, une plombe à dégainer quoi. T'as presque pas envie de ranger ton gun au cas où. Le problème, c'est la vitesse à dégainer du type, elle est très très lente. Vas-y, on va sortir d'ici.
faut qu'on remonte maintenant. Je sais pas pourquoi t'as décidé de viser en haut. Là, le système de visée, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Allez, on recommence. Ok, il n'y a personne. D'abord. Là, je me casse. Fort bien, on se retrouve là-bas. Façon de nager qui m'étonne un peu, mais bon, c'est pas grave. Et puis 3 après. Allez hop là, saute mouton. Entendez pas. Shot. Évidemment, j'ai un chargeur avec 5000 munitions dans ma poche, mais bon, ça c'est pas grave, on a plus 3 ça après non plus. J'entendais pas. Vas-y, on avance. Les drones qui t'attaquent, quoi. Foutu drone à la con. Une voiture de flic là-bas. Il y a peut-être un flic qui se bat dans le coin. On va dégainer au cas où. Mon personnage met 5 secondes à sortir son gun. Headshot. Boom. Alors, est-ce qu'on va finir par arriver à notre station essence? Ou va-t-on courir en boucle dans le bois avec les mêmes flics qui arrivent au même moment à chaque fois? Cours, Forest, cours. Je t'ai tiré dans la cuisse gauche et la cuisse droite, ça t'a pas fait du bien. Encore une bagnole de flic. Et deux bagnoles de flic. C'est un gars qui dit c'est un peu lassant, non? T'as bien résumé le jeu. On va pas tarder à s'arrêter de toute façon. Donc eux ils ont un mixage bizarre par contre au niveau de la voix, c'est une certitude. Ok. Fort bien. Ok, donc on a réussi à pirater un truc pour faire passer nos messages quoi. On fait la promotion de notre... Alors les gens, vous avez le choix entre le monde de Microsoft ou le monde de Linux, mais ça a pris des proportions assez importantes quand même. Tout ce piratage pour dire de pas aller sur Facebook, je trouve que c'est quand même un peu abusé, mais bon. Pourquoi pas, hein. Fort bien. Bon. F-
Fort bien, fort bien. Tu vas... Ok, donc on va les voir parler pendant des heures, là. Ta voix m'agace un peu, je le cache pas qu'en plus, c'est parfois c'est fort, parfois c'est pas très fort. Hein. Ah ouais. Je zappe parce que c'est bon, on a compris que t'as envie de nous faire vivre dans un monde qui n'est pas surveillé. Page pour dire tout ça. Fort bien. Did we win? The battle, yes. The war, not even close. Most people will go on with their lives like nothing happened. Back to taking selfies and posting pictures of their food. This will be more than a blip to them. Sad to say, but we were never going to get through to those people. They can't even begin to imagine. Bon. And even if somewhere down the line it comes back. Je sais parce que franchement c'est bien de plus en plus affligeant là. To reach the people who want to change. Cette histoire on la connaît. OK. Ça fait presque une heure que je suis en train de jouer à Liberated et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu et probablement pour toujours. Mon impression à chaud est... Bah, comment dire, clairement c'est pas un jeu que je vous recommande, tout simplement parce que je ne sais même pas si on peut parler de notion de jeu à travers ce programme. Pour moi c'est plus une bande dessinée interactive, et en fait je m'attendais à la limite, lorsque j'ai vu les vidéos la première fois, je m'attendais un peu à une bande dessinée où c'est vraiment, je sais pas si vous vous souvenez ces bandes dessinées dont vous êtes le héros, genre si vous faites ce choix, allez en page 54, si vous faites ce choix, allez en page 39, je m'attendais au moins à ça, et c'est même pas ça en fait. C'est une bande dessinée où tu vas te contenter d'avoir des QTE, de valider des dialogues, de lire du texte, d'avoir une histoire dont l'originalité est proche de zéro, parce que, ok, c'est la vie privée, c'est tout ça, plus on reprend aussi un peu l'histoire de Matrix, même si ça se passe pas dans la Matrice. Ouais, et on vend tout ça 22$, donc j'ai envie de dire non merci. Après... C'est joli, il y a une belle mise en scène, ça fait très comique interactif. La dingue a dit plusieurs fois, ouais, c'est quelque chose qui est utilisé pour faire une démo d'un nouveau framework. À ce moment-là, si ça, c'est un prétexte pour montrer la capacité d'un nouveau framework, eh ben, je suis désolé, mais fais ton truc gratos ou vends-le 2$ ou 5$, et à la limite, 2$, 5$, ouais, je veux bien aller faire ça, ça va me faire marrer. Je vais suivre une histoire qui est certes pas spécialement originale pour un sou, mais au moins je vais voir un peu de quoi le framework est capable. Mais te vendre ça plus 22$, enfin je crois qu'il est à combien, 20€, ouais c'est ça. Ah, je suis désolé, pour 20€ c'est... Enfin, ça vaut pas du tout 20€ quoi. Parce que bon, la direction artistique est cool. C'est traduit en français, bon la qualité du texte n'est pas incroyable, mais au moins ça a le mérite d'être traduit en français sans faute d'orthographe et de grammaire, en tout cas c'est ce que j'ai noté jusqu'à présent. Il les a fait plutôt cool à l'écran. La musique, la direction sonore, pas trop mal. Mais voilà, à part ça, j'arrive pas vraiment à savoir en quoi c'est un jeu quoi, donc c'est pas... je peux pas vous recommander ça quoi. Je l'ai reçu gratuitement, GOG m'a filé une clé et c'est très gentil de leur part parce que j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Au final, c'est non seulement pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est surtout c'est quelque chose qui va, tu vas être très passif quoi. Donc, Madame Kelly, ça ne fait que 47 minutes que tu joues, mais si ça t'apparaît une heure, c'est significatif. Mais ouais, non, donc. Si vous le trouvez gratuitement ou à 1$ et que vous avez envie de vous lire, vous faire une bande dessinée où il y aura quelques QTE et que vous êtes vraiment fan de la direction artistique, pourquoi pas, mais vous pouvez pas, vous achetez pas ça à 20$ quoi. Si encore ça avait été un jeu vraiment, encore une fois je le redis parce que c'est quelque chose que j'aimais énormément lorsque j'étais ado, enfin lorsque j'étais même à l'école, les fameuses bandes dessinées dont on est le héros, je sais pas si vous vous souvenez, ces espèces de bandes dessinées un peu fines à l'horizontale là, et t'avais une histoire sympa, et puis si tu décides d'ouvrir la porte, tu vas ici, si tu décides d'activer ça, tu vas là. Et là au moins il y avait une interaction, il se passait des trucs cool. Au moins faire ça en version interactive, ça aurait pu être sympa, mais c'est pas du tout le cas.
Donc là, en gros, on se contente de... dans une bande de rebelles qui veut nous faire vivre dans un monde sans Microsoft et, oui, et Facebook. Bon bah voilà quoi. Tu vois, c'est pas super passionnant. Donc bon, c'était Liberated. J'espère que ça vous a permis de voir à quoi ça ressemble. Je n'y jouerai probablement plus jamais. Mais au moins, on ira jeter un coup d'œil. Donc sur ce, je vais quitter le jeu, lever l'overlay, et on va voir sur quoi on va poursuivre. A tout de suite!